Il n'y avait jamais eu autant de détenus en France, 67 373 exactement au 1er juillet. C'est un record historique d'après les statistiques de l'administration pénitentiaire. Le taux d'occupation des prisons dépasse les 117%. Et le résultat, c'est une dégradation des conditions de vie des détenus. Regardez ce reportage à Strasbourg de David Brunet et Guillaume Gruber. Ils ont rencontré la femme d'un prisonnier. Quand cette femme de détenue vient au parloir, son mari reste très discret sur ses conditions de détention. Elle le sait, il ne lui dit pas tout pour ne pas l'inquiéter, mais son époux, qui a déjà connu la prison il y a plus de 10 ans, a vu ses conditions de vie empirer avec l'augmentation de la surpopulation carcérale. Il y a plus de monde, il y a plus de tensions, ça c'est certain. C'est toujours une lutte quotidienne. En prison, c'est un monde à part. Il y a aussi beaucoup de monde, je pense, qui ne mériterait pas forcément d'être enfermé. Les syndicats de surveillants, eux, regrettent que par manque de place, certains détenus condamnés à de courtes peines soient obligés de côtoyer des condamnations beaucoup plus lourdes. Au niveau national, le taux d'occupation des prisons est de 117%. Selon les syndicats, à la maison d'arrêt de Strasbourg, il y a deux fois plus de détenus que de places. Il y a certains endroits où effectivement c'est des gens qui dorment par terre sur des matelas. Donc c'est une insalubrité totale parce que bon, après à 9 mètres carrés pour deux personnes... C'est très restreint. Au quotidien, c'est plus de stress et une montée en pression énorme. C'est un quartier disciplinaire qui est plein. Il y a de plus en plus d'agressions, de plus en plus d'insultes. Les syndicats expliquent aussi qu'ils voient souvent revenir les mêmes détenus et réclament une meilleure lutte contre la récidive et plus de moyens. Selon eux, il manquerait 650 postes de surveillants dans les prisons françaises.